Je m'appelle Rose Thérésin, j'ai 16 ans. Je m'appelle Angélique Héry et j'ai 16 ans. Je m'appelle Julie Caro, j'ai 16 ans et on est tous les trois en bac pro menuiserie à Lancement. Tout ce qu'on fait et tout, en fait, en atelier, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours un truc à faire. Ouais. On est toujours bien intégrés, tout ça, par les gars. Genre, on n'est pas mise de côté pour que ce soit. Ils sont super sympas avec nous, puis ils sont là pour nous aider si on a des problèmes. Et comme eux, s'ils ont des soucis, on est là aussi pour les aider. Ouais, et après, on choisit des fois les projets qu'on veut faire. Donc, si jamais on veut faire un truc pour chez nous, on peut le faire. Donc, ça, ouais. C'est bien. C'est hyper pratique. Et puis, vraiment, si jamais on n'arrive pas, on peut être aidé. Mais ouais. De toute façon, non. Ouais, pas... Généralement, on n'a pas vraiment. Non, mais on peut toujours avoir autant de force qu'un homme. Donc, ouais. Je vois pas pourquoi on pourrait pas y aller non plus. Après, peut-être au début, c'est un peu dur, mais par habitude, franchement, il n'y a pas de problème. Ouais, ça va. C'est tranquille. Moi, je suis arrivée cette année et le prof, il m'a dit que j'ai quand même réussi à comprendre comment ça marche, tout ça. Et puis, tu t'es bien apprendre assez vite. Ouais. Pour tous les bac pro, en fait, à chaque fois qu'on me dit qu'on a un bac pro, c'est parce que t'étais pas assez intelligent pour aller en général. Ouais. Bah non, je sais déjà ce que j'ai envie de faire. Je vais pas aller gâcher des années à aller en général alors que je sais ce que j'ai envie de faire. C'est mieux d'avoir des filles parce que comme ça, ça diversifie. Et le bâtiment, c'est pas exclusivement pour les hommes. Du coup, c'est pour ça, c'est bien d'avoir des filles dans notre classe. Dans tous les cas, tout est fait souvent par machine, même dans tous les outils du bâtiment. Alors, il n'y a pas besoin de force, c'est plus des techniques et tout comme ça. Enfin, je pense sur le projet définition. Oui, parce que nous, on est peut-être un peu plus bourrin. Oui. Et elles sont un peu plus perfectionnistes, je pense. Ouais, voilà. Ici, j'ai fait un bac STMG. J'avais une option cinéma. Mais la suite de la SMG, ça ne me plaisait pas. Du coup, je suis partie en service en salle pendant un an. Et ça ne m'a pas plu non plus. Du coup, j'ai fait un an où j'ai fait de l'intérim. Mais ça ne me plaisait pas non plus. Je ne voulais pas rester à l'usine. Du coup, voilà. Et j'avais déjà en tête d'avoir mes projets, de faire ma maison, de vraiment me débrouiller. Et du coup, je suis partie dans un bac-pro ici, du coup. Le fait de pouvoir faire ma maison toute seule en commençant d'abord par tout ce qui est fondation, tout ce qui est maçonnerie, quoi. On m'a dit que c'était difficile, on m'a dit que puisqu'on était une femme, c'était compliqué de trouver une entreprise et tout ça, mais c'est vrai que je sais qu'il faut savoir s'intégrer dans une équipe, on va dire masculine, et en général, ça va, je sais que ça s'est bien passé. Donc, j'apprends pas trop non plus à l'avenir, ça. Et les femmes s'adaptent très bien. Les technologies ont évolué. Elles peuvent faire le même travail que les hommes. Elles n'ont pas de complexe à avoir. Même, du coup, c'est un beau métier et qu'il faut faire découvrir aussi aux femmes. Parce que c'est un beau métier et qui est ouvert à tout le monde.